Bien, bonjour, je suis Stéphane Massard et j'ai le plaisir de vous présenter les premiers essais du casque HTC Vive ainsi que des contrôleurs avec Virtual Universe Pro version 3. Voilà. Bah écoutez, c'est parti, mettons le casque. Voilà. Et à côté, on se retrouve dans un environnement virtuel. Entièrement créé avec Virtual Universe Pro version 3, donc un exemple très simple. Je vois directement les manettes, les contrôleurs HTC Vive hein, avec lesquels je peux sélectionner par exemple et cliquer sur les objets. Ces manettes vont me permettre également d'agir dans le monde virtuel. Par exemple, je peux tout simplement pousser ces boîtes. Je peux également, en actionnant les boutons de chaque côté des manettes, venir hop, saisir les objets et les poser. Voilà, donc je peux taper dans les objets également. Hein. Je peux vraiment agir de façon très intéressante sur ce monde 3D avec chacune des manettes. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique de pouvoir agir ainsi sur le monde 3D. Je peux faire des actions également, par exemple. Voilà, une pyramide me permet de réinitialiser mon système pour pouvoir recommencer à jouer avec. Voilà, je peux prendre les boîtes pour en faire un tas à côté, pourquoi pas. Hein. Je peux vraiment manipuler ces objets de façon vraiment très très sympathique. Voilà, je peux taper dedans, je peux vraiment faire énormément de choses. On peut dire que vraiment le casque de réalité virtuelle de HTC et les contrôleurs permet une interaction vraiment extraordinaire avec tous ces éléments. Voilà, continuer à jouer un petit peu avec tout ça, c'est vraiment encore une fois quelque chose de merveilleux, ce qui nous est apporté par ces technologies. Et Virtual Universe Pro version 3 permet vraiment d'utiliser très, très simplement ces nouveaux éléments pour créer des mondes virtuels et mettre en valeur ces systèmes technologiques de façon incroyable. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis qu'on aura le plaisir de vous montrer plein d'autres choses concernant cette utilisation. À très bientôt.